Le top de la bâtisse, c'est dans les nuages. Yeah. Bon matin! Hein? Aujourd'hui, c'est le bonheur. 4h30 pour attraper le lever de soleil. Et finalement, on risque de voir les nuages s'éclaircir. Mais ça donne le goût de revenir dans le Vieux-Québec de soir. Ou de nuit. C'est vraiment bien éclairé, c'est beau. Non, mais regardez-moi ces beaux nuages! C'est malade. Ça va faire un beau time-lapse. Par exemple, quand on se lève de bonne heure, il est 7h02. L'heure à peu près à laquelle je me lève. À date, j'ai fait un time-lapse de... Oh, probablement, ouais, un bon 2 heures. Ah oui, un bon 2 heures. Ouais, c'est le fun. C'est fou quand il y a du monde qui s'entraîne. C'est vraiment beau, ouais. C'est un beau coin pour s'entraîner. Il y a plein de monde qui passe en vélo, il y a du monde qui court. Encore là, ici, tu vois, on est juste à côté de la citadelle. Là, il y a un chemin qui descend plus bas, qui s'en va jusqu'au château Frontenac. On va aller voir ça un peu plus tard. Aujourd'hui, on va aller se déplacer dans le Vieux Québec. Ma section préférée de Québec, c'est vraiment beau. Il y a la fameuse fortification qui fait le tour du Vieux Québec. Dans le fond, la fortification, elle délimite le Vieux Québec. Et on peut marcher dessus pas mal tout le long. Ça me fait rire à quel point au Québec, me semble, ils mettent des clôtures partout pour éviter aux gens de tomber. Des fois, c'est même exagéré. Mais autour de la citadelle, ils laissent la sélection naturelle faire son travail, on dirait. Finalement, la muraille est fermée, alors on va aller s'aventurer directement dans le vieux. Voir, j'adore à quel point les rues sont petites, ça donne tout son cachet au secteur.
génial du Vieux-Québec, c'est qu'il y a plein de petits restaurants un peu partout. Ils ont tout l'air bon. Ça fait déjà quelques heures que je tourne et on vient de voir de quoi qui a l'air d'intéressant. On va aller manger à La Bûche. Et ils ont un truc que je me pose vraiment des questions. Je pense que je vais essayer ça. Ils ont des ailes de lapin. Le menu, il me rappelle l'école. C'est un cahier Canada. Le restaurant il est vraiment beau, j'aime ça. C'est le genre de restaurant que tu rentres, t'as pas encore mangé, t'as déjà une belle expérience. Et là, on vient de me recommander d'aller voir les toilettes. Finalement, grâce à la COVID, le personnel de la cuisine est réduit, alors le menu est aussi réduit, malheureusement. Voici le bacon qui va avec et l'extra bacon. Ça va, c'est bon, j'en ai merci. Ça, c'est du bacon. Merci. Allez, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non, c'est beau. Non, merci, c'est bon. Bon appétit. Et ça, c'est du bacon. Ah, ouais. Donc, c'est ça. J'ai été pour une casserole. Tu rencontres pas avec une casserole. Oh. Oh wow. Oh wow. Hey, là, ça c'est du bacon. Hey. Oh. Ok, j'ai jamais mangé du bacon bon de même. Ok, wow. Sérieux, je pense que c'est le meilleur déjeuner que j'ai mangé dans un restaurant. Wow. Ça me fait penser qu'il faut que j'en parle parce que la plupart des gens qui m'écoutent sont à l'extérieur du Québec. Mais quand je voyage, il y a un truc que je trouve toujours triste, c'est les déjeuners. J'ai réussi quand même à manger bien à la plupart des endroits, mais les déjeuners, je trouve ça triste. C'est parce qu'un déjeuner, ici, c'est plus complexe qu'un œuf, et un bacon ou une tranche de pain ou pas grand-chose. C'est quelque chose de très complexe. Ça c'est un déjeuner typiquement québécois. C'est vrai que lui ici, il est assez rehaussé, mais ça ressemble à ça par ici. Oh wow! Wow! Pour vrai, quelle belle expérience! La Bûche, je te le recommande. Ça, c'est cool ça! Un stationnement pour chien. On va l'accrocher sur le crochet et j'aurais peur qu'il y ait quelqu'un qui parte avec, par exemple. C'est présentement devant le Parlement. C'est vraiment... Il est beau. Il est beau. Une belle architecture autour. Et de nuit, il va falloir revenir. C'est vraiment beau quand c'est éclairé. J'adore le souci du détail qu'il mettait dans les bâtiments autrefois.
c'est le Château Frontenac. En fait, c'est juste une hôtel, mais c'est pas mal l'emblème de la ville de Québec. Quand on parle de la ville de Québec, on la reconnaît au Château Frontenac. Ça donne une vue sur un super beau balcon, avec une vue sur le fleuve, l'île de celle-là. J'ai un blanc, mais c'est super beau. Là, on va refaire quelques marches pour monter jusqu'à la citadelle où est-ce qu'on est stationné. Et on va prendre une pause pendant que le soleil est à son zénith et on va revenir en soirée. Il va falloir revenir voir ça en hiver. J'avais jamais remarqué, mais c'est des glissades. Donc, tu peux descendre avec des luges et... Ça va être cool. Et... Ben, ça fait plus de 100 ans que c'est là, depuis 1884. L'arbre était vraiment beau, mais ce qui m'intéresse le plus de l'arbre en ce moment, c'est son ombre. Ah, il fait chaud! Mais par où est-ce que tu nous amènes? Par de là-bas. On est parti. Ah oui? On est parti pour une deuxième tournée. Et à ce qu'il paraît, nous en allons par là-bas. Pas un bon guide. C'est ici qu'il fallait venir ce matin. Déception! Tu viens pas demain matin? Ouais, 4h30, on revient. Ah ouais, tu prends ton char. Tu Tu sais où est-ce que ah, ça, c'est vraiment un beau coin. Tout le monde qui joue, c'est comme un grand parc et il y a une vue incroyable. Une autre atmosphère, les lumières qui s'allument, le vieux Québec est vraiment bien éclairé et on dirait que c'est devenu plus vivant, c'est comme tranquille en même temps, c'est fun. Québec, c'est aussi plein de petits festivals de rue.
le Vieux-Québec, c'est beau, c'est lumineux, mais c'est aussi... avoir le goût de manger, ça sent tellement bon. Il y a des restaurants partout. Partout. Et il y a même un magasin de Noël ouvert à l'année. Québec, c'est super beau de jour, mais ça prend vraiment tout son sens la nuit. C'est vivant, c'est incroyable. Ça, c'est autant en été qu'en hiver. En hiver, c'est vraiment cool aussi. Si t'aimes le sucre, tu peux venir ici. Et le tricycle, il est en jujube. Moi, il y a un truc dans la vie que j'aime beaucoup et c'est le popcorn. Et là, il y a une popcornerie. Popcornerie. Je sais pas si c'est un mot, mais à partir d'ici, là, ça sent bon. Vers un popcorn style Québec. C'est un mélange de sirop d'érable, cheddar blanc et cheddar jaune. J'ai plaisir en bouche. C'est un peu de gluten. On va aller poursuivre notre marche inachevée de la muraille, la fortification. C'est une muraille.
J'ai aucune idée si t'es capable de me voir. On va allumer une lumière. C'est ce qui va conclure la journée. Il est rendu 22h38. J'ai commencé ça à 4h30 ce matin. Ça a été vraiment une grosse journée. Alors, c'est ce qui va conclure pour aujourd'hui. Et on se revoit très bientôt parce que dans les prochains jours, je continue à me promener dans les alentours de Québec. Il reste encore plein de belles choses à voir. Alors, on se revoit bientôt. Fais attention à toi. Salut!